Alicia, superbe africaine, fait des papouilles à Fortis. Fortis, le directeur de l'union minière du Haut-Katanga. Celui-là même qui exploite le cuivre du Congo pour le compte de l'union minière du Haut-Katanga. Je suis arrivé à le dire, je suis très fier de moi parce que je n'arrivais pas à le retenir. C'est une société belge qui espère que rien ne va changer pour ses affaires dans l'ex-Congo belge. Malgré l'indépendance. C'est la raison pour laquelle elle soutient le sécessionniste Moïse Tshombe. Mais les préoccupations de l'homme d'affaires sont tout autres. Il compte utiliser les millions envoyés par sa boîte pour acheter les diamants de Charlie, Charlie qui est le frère d'Alicia, puis de se faire la belle, au propre et au figuré. Ah oui, avec Alicia. Cette dernière essaye de préserver son frère Charlie, car elle a une dette énorme vis-à-vis de lui. Charlie, qui a du souci à se faire, vu en compagnie de qui il se trouve, d'où il se trouve et de ce qu'il attend. Alors voilà, c'est la fin. C'est la fin en apothéose de cette splendide trilogie, si peu politiquement correcte, mais avec des accents de vérité bien prononcés. On s'entretue. On se trahit. On torture. C'est noir de chez noir. C'est monstrueux, mais c'est magnifiquement réalisé. Fabien Nury sait y faire en matière de scénario. Et il arrive à nous faire sourire. Si, au milieu de toute cette noirceur, il y a des moments où vous aurez envie de sourire. Largement aidé en cela par les talents de dessinateur de Sylvain Vallée qui use de son style mi-caricatural, mi-réaliste pour dérouler un vrai polar à la française des années 60. Les personnages ont de vraies gueules qui sont loin de nous laisser indifférents. Les expressions sont pleines de vie, même lorsqu'ils en viennent à mourir. Ne cherchez pas les gentils, il n'y en a pas. Inutile de vous fatiguer. Pas d'honnêtes gens non plus. Chacun ne cherche que son profit. D'aucuns y ajoutent le goût de l'aventure, histoire de faire grimper le taux d'adrénaline, mais aucun n'est là pour porter secours à son prochain. Sauf Alicia et son frère, Charlie, qui sont prêts à tout, l'un pour l'autre. Allez, bonne lecture. Alors, je vous parle du coffret Katanga. Le voici, le voilà, il est là, il est magnifique. Surtout quand vous avez les trois albums qui normalement s'insèrent dedans.